rapidement vu dans une première série d'émissions ce que c'était en vérité le gouvernement de la défense nationale. Je vais vous rappeler ça en deux mots. La guerre de 70 avait donc été déclarée par l'Empire, c'était en juillet. Cette guerre avait mal tourné, elle avait abouti à ce désastre de Sedan où l'armée française la plus importante avait été encerclée et avait dû se rendre. Napoléon III lui-même était prisonnier. Alors la République avait brusquement surgi le 4 septembre 70 à Paris. La République qui surgit, c'est 1848 qui recommence. Vous savez qu'en 48, brusquement, la classe ouvrière avait pratiquement pris le pouvoir en France, si bien qu'à travers tout le pays, les possédants, les gens bien, les gens installés, avaient été saisis d'une véritable terreur. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces ouvriers qui ont le pouvoir? Alors on les avait ramenés à la raison parce que, vous savez, les journées de juin, où pour leur arracher les fusils qu'ils avaient, on les avait mitraillés. Et bien de même, la bourgeoisie française est épouvantée quand elle voit les ouvriers de Paris qui sont armés, le gouvernement les avait armés pour se défendre contre l'invasion allemande. Mais la bourgeoisie n'a qu'une idée, ces garçons, ces gaillards vont utiliser leurs fusils, leurs chasse-pots, comme on disait à ce moment-là, pour établir des lois qui ne nous conviennent pas. Les structures sociales vont être menacées. Alors le gouvernement qui a pris le pouvoir, composé de ceux qu'on appelle les Jules, en particulier quoi, Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon, sont des gens qui n'ont vraiment qu'une seule préoccupation, c'est d'empêcher une révolution sociale. Alors ils ont intitulé ça pour se faire admettre gouvernement de la défense nationale. En réalité, c'est un gouvernement de la défense sociale. Et leur unique préoccupation, maintenant que les Allemands arrivent sur Paris, c'est de rendre, vous m'entendez bien, oui, de rendre Paris le plus rapidement possible, parce que les Allemands sont des gens rassurants, et une fois qu'ils seront là dans les forts, une fois que les canons des forts seront braqués sur les faubourgs, il n'y aura plus d'inquiétude du côté du prolétariat. Alors je vous l'ai raconté, Jules Favre, en douce, sans en parler à personne, va voir l'ennemi, c'est-à-dire va voir Bismarck, à Ferrières, essaye de traiter avec lui. Bismarck élève une exigence difficile à faire admettre aux Parisiens, Bismarck demande l'occupation immédiate d'un fort. Alors si Favre, en rentrant, est obligé de dire aux Parisiens qui, eux, veulent se battre, s'il est obligé de leur dire, vous savez, les Allemands vont occuper un des forts, il va avoir une révolution tout de suite, il n'est pas en mesure de la contrôler. C'est entendu, on ne va pas pouvoir traiter tout de suite avec les Allemands, on va attendre. Alors le deuxième espoir du gouvernement de la Défense nationale, le deuxième temps, c'est un espoir, c'est la mission de Thiers. Thiers est un vieux politicien français, à ce moment-là, il avait plus de 70 ans, je crois, et qui desséchait d'arriver au pouvoir. Il avait bien cru que ça y était à la fin de l'année 1848, et puis était survenu tout à coup ce Louis-Napoléon Bonaparte qui l'avait empêché de devenir le chef de la France. Depuis 1848-49, Thiers se rongeait en disant « je vieillis, est-ce que j'arriverai jamais au pouvoir ?» Maintenant, il pense que c'est l'heure, que c'est venu. Napoléon est tombé, la bourgeoisie française est prête à le plébisciter, lui, il est le représentant type de la bourgeoisie. Par conséquent, il faut qu'on s'arrange pour régler cette guerre le plus rapidement possible. Bien entendu, on donnera aux Allemands ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas grand-chose. Ils demandent Metz et Strasbourg. Ça n'inquiète pas beaucoup la bourgeoisie française, ça. Metz et Strasbourg, d'accord pour les Allemands. Et on passera aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est d'empêcher que ne recommence 1848. Et de même qu'en 1848, on avait ramené la canaille au chenil par des moyens appropriés en lui tirant dessus avec les journées de juin. De même, en 1871, ça sera les massacres de la Commune. C'est l'histoire qui se reproduit exactement. Alors, quel est le plan de Thiers? On l'a envoyé en mission à l'étranger. Il fait une tournée dans les capitales. Et quand il reviendra, il aura un argument à présenter à cette population parisienne chauvine qui voudrait se défendre, qui voudrait repousser les Allemands. Il va leur dire « Votre résistance a provoqué l'admiration de l'Europe, seulement par un sentiment humanitaire, un sentiment de charité, enfin parce que ça fait peine à tout le monde de voir tout ce sang qui coule. » Il n'en coulait pas beaucoup du reste, parce qu'on ne se battait pas. Enfin, par un sentiment humanitaire, l'Europe, les neutres, interviennent et demandent de faire un armistice. C'est pas du tout l'Europe, c'est pas du tout les neutres, c'est la Russie, tout simplement, qui va intervenir. Parce que Thiers est allé jusqu'à Saint-Pétersbourg, et les Russes sont ravis de cet écrasement de la France. Pourquoi? Eh bien, vous vous rappelez, la France et la Russie s'étaient battues au moment de la guerre de Crimée, c'était pas loin, c'était en 54. La Russie voulait avoir les mains libres en mer Noire, et ça lui faisait grand plaisir de voir la France abaissée et ne plus pouvoir s'occuper de ses intérêts dans la mer Noire. Donc la Russie souhaitait que la France perdît deux provinces. L'Angleterre, au contraire, l'Angleterre était assez contente que la France soit abaissée, pas trop. Parce que l'Angleterre compte toujours sur l'équilibre européen. Et les Anglais auraient préféré un congrès européen qui aurait limité les convoitises allemandes. Les Anglais disaient, ça va, ils prendront Strasbourg. Mais Metz, non, nous préférerions que ça reste à la France. Ça ne va pas du tout à M. Thiers. Thiers veut absolument que les Allemands soient contents, qu'ils aient tout ce qu'ils demandent, à savoir Metz et Strasbourg. Et puis on va faire la paix, les Parisiens vont être impressionnés en se disant, c'est un congrès européen, c'est une intervention de l'Europe, et on aura cet armistice qui pratiquement sera la paix. Voilà où l'on était. Il y avait dans l'équipe du gouvernement de la Défense nationale un homme et un seul, qui s'appelait Gambetta, qui était très jeune, c'était un benjamin de l'équipe, il avait 32 ans, qui lui croyait à la Défense. Quelqu'un qui croyait aussi à la République et qui s'était dit, mais il y a peut-être moyen, cette guerre provisoirement perdue, de la gagner. Et ça lui plaisait beaucoup, à l'idée qu'une République nouvelle venue pouvait se fonder sur une victoire.
Alors, le 7 octobre 1870, le gouvernement de la Défense nationale de Paris envoie ce jeune petit Gambetta à Tours. Pourquoi à Tours? Parce qu'il y avait là une délégation du gouvernement de la Défense nationale qui était investie. Hein. La France était à ce moment-là occupée au nord. Paris était absolument entouré. Il fallait un gouvernement dans la France libre. C'était à Tours qu'on avait envoyé deux membres du gouvernement. Crémieux, un vieux type, on pouvait le manœuvrer facilement. Puis l'amiral Fourichon, il suffisait de dire amiral pour dire qu'il pensait bien. Lui aussi, c'est-à-dire qu'il voulait qu'on se rende le plus rapidement possible. Alors on lui adjoint le 7 octobre Gambetta, pour des raisons diverses, pas la peine de vous raconter ça, il faut suivre l'idée centrale, et un peu aussi pour se débarrasser de ce Gambetta qui lui croyait à la résistance, alors on l'envoie en province avec une mission officielle disant aux Parisiens, toujours ces chauvins, pour leur faire croire qu'on se bat, nous envoyons là-bas M. Gambetta parce qu'il préparera la résistance en province. On l'envoie le 7 octobre, à ce moment-là Thiers est déjà en train de faire sa tournée, on est convaincu à Paris, on est convaincu au gouvernement qu'avant la fin du mois d'octobre, Thiers sera revenu, alors on va laisser le petit Gambetta jouer au petit soldat là-bas, s'amuser avec ses nouvelles troupes qu'il essaiera de constituer, et avant qu'il soit capable de nuire, c'est-à-dire de lancer une offensive, Thiers sera revenu, l'armistice sera conclu, la paix sera faite, le tour sera joué. Donc voilà ce qui se passe, c'est que Gambetta a pris très au sérieux son travail. Quand il arrive à Tours, il s'informe des possibilités militaires, et nous savons aujourd'hui, par trois témoignages que je vais vous apporter, le résultat efficace et même surprenant du travail de Gambetta. En moins de trois semaines, ce jeune type, mais plein d'ardeur et plein d'intelligence, arrive à reconstituer sur la Loire une force militaire sérieuse. Premier témoignage, Sorel, Albert Sorel. Vous avez tous entendu parler de son grand bouquin qui s'appelle « L'histoire diplomatique de la guerre franco-allemande ». C'est pas là où il faut aller chercher les aveux de Sorel. Lorsque Sorel écrit son histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, il est un monsieur considérable. Je ne sais pas s'il est encore académicien, je n'ai pas vérifié la date, mais en fait, il regarde du côté de l'académie. Et quand on veut être académicien, il faut faire de l'histoire sérieuse, l'histoire de bonne compagnie. Il faut dire que Gambetta était un farfelu qui a essayé vainement de résister, du reste avec des arrière-pensées politiques, mais qu'en fait, son travail n'a pas été sérieux. Voilà ce qu'écrit dans son livre, M. Sorel. Malheureusement, on a publié en 1913 les lettres que Sorel, qui était à Tours, écrivait à sa mère. Et dans ses lettres, le petit Sorel, qui à ce moment-là était trop gamin pour penser encore à l'académie, dit la vérité. Il dit à sa mère, vous savez maman, il la vous voyait, je suis stupéfait de ce qui est arrivé à se faire ce monsieur Gambetta. Il est prodigieux, il a une activité, il a un patriotisme, il a un dévouement inouï, il est arrivé à constituer une force militaire. Témoignage Sorel. Témoignage Trochu, qui c'est Trochu, le gouverneur militaire de Paris, qui était du côté des Jules, il s'appelait Jules lui aussi. Eh bien, Trochu, en 1890, longtemps après, hein, dans ses mémoires, dira « Ah, j'ai à me frapper la poitrine au sujet de Gambetta, j'ai mal agi contre lui. » C'est quelqu'un qui a réalisé des prodiges. Et puis alors, nous avons le témoignage de l'ennemi, von der Goltz, qui a fait un livre sur la résistance française, et qui se découvre, cet Allemand, qui se découvre devant Gambetta, et dit « Inouï ce qu'il est arrivé à faire. » Eh bien, c'est vrai. À la fin du mois d'octobre 70, il y a 150 000 hommes, vous entendez, 150 000 combattants français qui sont prêts à foncer. Alors il y a d'un côté Paris, avec les 300 000 soldats, dont les généraux de Farid ne veulent rien faire, puisqu'il s'agit de rendre Paris. 300 000 soldats. 150 000 nouveaux soldats français sur la Loire, entre Orléans et Paris, qu'est-ce qu'il y a? Un petit rideau de troupes allemandes. Ils sont à peine 150 000, vous entendez? À peine 150 000 Allemands, contre 150 000 Français au sud, 300 000 Français au nord. Parce que toutes les grosses forces allemandes sont encore autour de Metz, la formidable citadelle de Metz, où Bazen est encerclé, et tant que Bazen ne sera pas rendu, les 200 000 soldats allemands de Frédéric Charles sont là-bas et ne peuvent pas venir sous Paris. Alors vous vous rendez compte que c'est le moment où tout pouvait se retourner, où cette guerre de 70 pouvait être une victoire pour la France. Et là, j'imagine pas, j'invente pas, je vais vous apporter des textes. Voici « Pensées et souvenirs de Bismarck », la quinzaine qui précéda la reddition de Metz. Metz se rendra le 27 octobre. Fut la période la plus critique de la guerre, écrit Bismarck. Notre position entre l'armée de Paris, investie mais supérieure en nombre, et les forces françaises de province créées par Gambetta, notre position était menacée du point de vue stratégique. Et voici l'ouvrage de Schneider sur Guillaume Ier dans les derniers jours d'octobre, du côté d'Orléans. Les choses avaient pris une tournure telle qu'au grand quartier général allemand, on agitait la question de savoir s'il ne fallait pas au plus tôt lever le siège de Paris. Alors vous m'avez entendu, dans la deuxième quinzaine d'octobre et surtout à la fin d'octobre 1870, grâce à l'effort de Gambetta sur la Loire, il y avait moyen de retourner la situation, moyen d'enfoncer les forces allemandes. Ça, Paris ne l'acceptait absolument pas. Vous comprenez, il s'agissait pour le gouvernement de la Défense nationale que l'Allemagne soit victorieuse. Pourquoi? Pour les raisons de politique intérieure que je vous ai dites. Alors on va commencer à Paris, du côté des généraux de Paris, on va commencer par s'impatienter.
du temps que met Bazaine pour se rendre. Bazaine dirige, conduit l'armée française, 173 000 hommes, qui est dans Metz. On sait très bien que Bazaine souhaite aussi la défaite de la République. Mais alors qu'est-ce qu'il attend pour se rendre? Parce que quand il se rendra, les 200 000 Allemands seront dégagés et pourront venir faire barrage entre Gambetta et Paris. Ce qu'il attend, Bazaine, c'est bien simple. Bazaine veut se rendre, mais il ne veut pas que son armée le sache, que les soldats le sachent, les généraux, bien sûr, tous d'accord. Mais il ne faut pas que les civils de Metz, il ne faut pas que son armée le sache, il faut qu'on puisse faire croire que c'est la famine qui les oblige à se rendre. Et alors, du côté de Paris, on est extrêmement ennuyé parce qu'on voit Gambetta qui a constitué une force insoupçonnée et il faut absolument empêcher Gambetta d'agir, c'est-à-dire d'enfoncer les Allemands. Alors Trochu, sous la pression des généraux, c'est-à-dire de Ducrot, de Vinoy, Exéa, etc., envoie d'incroyables instructions à Gambetta. Incroyable parce qu'il lui dit « J'ai conçu une grande pensée militaire. Je vais essayer de vous demander d'attaquer sur la basse Seine, c'est-à-dire du côté de Rouen. Et puis moi-même, je ferai une sortie et on pourra se rejoindre par le nord de la Seine. » Alors que l'évidence était là qu'il fallait attaquer directement sur Paris puisqu'il n'y avait presque pas de troupes allemandes. Non, non, comme on a tellement peur qu'il réussisse, Gambetta, on veut l'expédier du côté de la basse Seine. Mais Gambetta se gratte la tête, enfin, trouve cette explication bizarre. Enfin, il ne voudrait pas se mettre en opposition avec Paris, mais il est étonné qu'on lui donne une pareille chose. Puis deuxièmement, on lui explique qu'il faut surtout qu'il ne bouge pas avant le début de novembre, parce que Trochu déclare « Moi, mon offensive n'est pas prête. Quand vous lancerez votre coup sur la basse Seine, je sortirai à votre rencontre, mais je ne peux pas sortir avant la première semaine de novembre. » Et pourquoi Trochu lui dit-il ça? Parce que Trochu est convaincu que Thiers sera revenu avant le début de novembre, et que par conséquent, l'armistice sera intervenu et plus d'ennuis militaires. Mais comme on voit que Gambetta continue à préparer cette force, Picard, qui au gouvernement de la Défense nationale représentait les finances, Picard va faire un coup de force inouï, ce sont des choses que vous ne savez pas, que personne ne sait. Picard va couper les vivres à Gambetta. Il va donner des instructions à la Banque de France pour que le gouvernement de Gambetta ne puisse pas tirer un sou de la Banque de France à Tours afin qu'il ne puisse plus continuer à préparer son armée. Gambetta est stupéfait quand il apprend qu'on ne veut plus lui donner quoi que ce soit pour ses fournitures militaires. Alors il enverra quelqu'un en Angleterre et on fera un emprunt, très coûteux c'est vrai, que naturellement on lui reprochera terriblement après en lui disant quoi, il est denier de la France. On ne voulait plus lui donner d'argent, il fallait bien qu'il en trouve pour son armée. Alors il va conclure l'emprunt Morgan à Londres et il aura tout de même ce qu'il faut pour attaquer. Et il décide de se lancer le 29 octobre. C'était une bonne date le 29 octobre, puisque à ce moment-là les Allemands étaient encore très vulnérables sur leur défense de Paris. Thiers va tout sauver. Thiers arrivait de sa tournée européenne, plus exactement il arrivait de Russie, et le voilà qui surgit à Tours le 21 octobre au matin. Alors regardons bien, il faut bien voir comment Thiers va manœuvrer. Il est arrivé à 2h du matin, dès le 21, dès le premier jour, il va trouver Gambetta, il lui serre la main, il remplit les fusions, il lui dit « Oh, c'est admirable ce que vous avez fait là, je suis très ravi de ce que vous faites, seulement réfléchissez, vous savez, moi j'ai un armistice à faire, je suis obligé de le faire et j'y tiens beaucoup parce que pour l'humanité même c'est très bon qu'il y ait un intervalle dans les combats. Alors n'attaquez pas en ce moment parce que ça pourrait empêcher les Allemands de conclure cet armistice. Et vous savez, Monsieur Gambetta, et là je n'invente pas, c'est Thiers lui-même qui nous le raconte avec un sourire fier de lui, il nous le raconte dans ses notes et souvenirs. J'ai expliqué, dit-il à Gambetta, que cet armistice serait excellent du point de vue militaire, parce que son armée était encore très jeune, enfin, était un peu fluide, tandis que s'il avait un mois pour se préparer, un mois d'armistice, après il aura une force foudroyante et les Allemands seront culbutés. Or, Thiers est absolument résolu à faire son armistice et à empêcher Gambetta d'avancer. Ça ne réussit pas. Gambetta lui dit, non, j'ai pas du tout envie de cet armistice, vous voulez y aller, monsieur Thiers, je ne peux pas vous en empêcher, mais moi je vais attaquer. Je vais attaquer le 29, il l'a dit. Alors Thiers essaye autre chose. Le 25 octobre, Thiers se précipite les yeux hors de la tête dans le bureau de Gambetta et lui dit, vous savez, j'ai une nouvelle personnelle, enfin j'ai mes fils spéciaux, Metz est tombé. Gambetta reçoit un coup, il dit, comment ils se sont rendus? Eh oui, dit Thiers, c'est fini, alors qu'est-ce que vous voulez? Pas la peine d'essayer, puisque maintenant les 175 000 hommes de l'armée française de Metz se sont rendus. Gambetta, qui n'est pas très sot, va se renseigner. Est-ce que c'est vrai que Metz est tombé? Alors on fait télégraphier, c'est pas vrai. Metz ne s'était pas rendu, puisque Thiers annonçait ça le 25 octobre et que la reddition sera du 27, mais Thiers essayait tous les mensonges possibles pour arrêter Gambetta. Ce mensonge rate. Alors, troisième mensonge. Thiers a demandé tout de suite aux Allemands une autorisation de passage. Il a utilisé pour cela l'évêque d'Orléans, Mgr Dupanloup, qui, comme la plupart, comme la quasi-totalité des évêques, était en faveur de la paix, pas pour des raisons humanitaires, mais toujours parce qu'il fallait faire tenir tranquille la calaille parisienne. Alors, Dupanloup s'est multiplié, a donné sa bonne petite calèche à Thiers personnellement, et Dupanloup s'arrange pour que les Allemands lui donnent le laissez-passer le plus rapidement possible. Gambetta est très gêné de cette idée que Thiers va traverser les lignes allemandes, va aller à Paris, va probablement déjà passer à Versailles où sont Bismarck et l'empereur, et qu'est-ce qu'il va faire là?
Alors, troisième mensonge de Thiers, que nous savons par Thiers, lui encore, qui s'en vante dans ses notes et souvenirs. J'ai dit à M. Gambetta, « Oh, je sais bien que le chancelier Bismarck voudrait m'attirer à Versailles pour me faire donner des promesses de paix, mais vous me connaissez, M. Gambetta, dit Thiers, français avant tout, je refuse absolument de voir le chancelier. » Or, le rendez-vous avec le chancelier est déjà pris, et dès que Thiers sera sorti, il se précipitera chez Bismarck. Le 28 octobre au matin, Thiers entre dans les lignes allemandes. L'ordre d'attaque est pour le 29. Et quel était le chef de cette armée française? Eh bien, c'était un général, forcément, qui s'appelait Dorel de Paladine. Dans la haute armée, je veux dire dans les grades supérieurs de l'armée de Tours, on détestait naturellement Gambetta, puisqu'il était républicain, et beaucoup s'étaient défilés devant l'ordre que Gambetta demandait à quelqu'un d'être général en chef. Puis Dorel de Paladine va accepter. On en voulait à mort à Gambetta parce qu'il avait limogé un général qui s'appelait Lamotte Rouge, qui s'était fait battre au milieu d'octobre, à peine était-il arrivé, et Gambetta avait dit « un général ne se fait pas battre ». S'il se fait battre, il est limogé. Alors ce Dorel de Paladine avait accepté d'être commandant en chef, parce que c'était un avancement considérable pour lui, mais il était empoisonné à l'idée d'être obligé de prendre une offensive que désapprouvait tout le monde, tous les honnêtes gens, l'évêque naturellement, Paris, Thiers, tout le monde. Il cherchait tous les moyens de ne pas la faire, son offensive. Et le 26, il était allé voir le premier collaborateur de Gambetta, qui s'appelait Freycinet, et lui avait dit, vous savez, personnellement, moi je désapprouve beaucoup cette offensive, mes troupes sont jeunes, enfin nous ne sommes pas sûrs d'avancer. Est-ce que vous ne pourriez pas persuader M. Gambetta de sursoir? Et Freycinet avait dit, non, vous allez attaquer, j'ai des ordres de Gambetta, il faut que vous partiez le 29. Alors le 28 au matin, Thiers entre dans les lignes allemandes. À peine est-il entré dans les lignes allemandes qu'on lui apporte la nouvelle merveilleuse qu'il attendait tellement, la nouvelle de la reddition de Metz qui s'est passée la veille. Alors Thiers se dit, il faut absolument que mon ami Dorel Paladine soit prévenu. Mais comment faire maintenant? Je suis du côté des lignes allemandes, je ne peux pas communiquer avec Dorel. Alors voici la ruse. Thiers va voir von der Tann, qui commandait le corps des Bavarois, et lui dit, vous n'avez pas un prétexte, un moyen quelconque d'entrer en rapport avec Dorel de Paladine? Et von der Tann dit, si, il n'y a pas longtemps, Dorel, qui est un grand seigneur, qui est un homme très bien, a accepté de me rendre le corps d'un officier bavarois qui était tombé dans les lignes françaises et que la famille demandait. Alors je vais faire semblant de faire un geste de gratitude à l'égard de Dorel de Paladine et je vais lui envoyer un parlementaire, drapeau blanc. Alors, c'est ce qui se passe. Dans la matinée du 28, le parlementaire arrive, venant du côté des Allemands, disant « j'ai un message pour le général en chef » et le message, le voici. « Voulant vous donner, mon général, une preuve de mon estime, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'une dépêche télégraphique de Versailles m'apprend la capitulation de Metz. » Dès que Dorel de Paladine sait que Metz est tombé, il envoie un télégramme à Gambetta, il l'envoie de Blois à 22h20 en lui disant « Monsieur le ministre, impossible, on ne peut pas attaquer, ne parle pas de Metz naturellement, parce que le mauvais temps qui a sévi toute la journée, l'état des routes et mon équipement défectueux m'oblige à décommander l'offensive. » On a gagné. Les Allemands le disent, nous avons poussé un ouf formidable. La catastrophe était devant nous, on allait être enfoncé, on ne pouvait pas résister, mais par bonheur, le général Dorel de Paladine, Paris et Thiers nous ont sauvés. Ce sont des choses monstrueuses. Ce sont des choses que l'histoire officielle ne dit pas. Et je suis là justement pour vous les dire. Il faut vous rendre compte que le gouvernement de la défense nationale, aidé de toute la classe possédante française, aiglé de presque tout le clergé, a fait tout ce qu'il a pu pour arracher entre les mains de Gambetta ce glaive qui pouvait apporter la victoire à la France. La semaine dernière, je vous ai raconté ce qui s'était passé à la fin d'octobre 1870, lorsque Gambetta voulait attaquer et que Paris, les généraux, Thiers, voulaient absolument empêcher cette offensive trop dangereuse pour les Allemands. Il y a un détail que je ne vous ai pas dit encore, je le réservais pour maintenant. Vous savez que c'est le 29 octobre qu'il devait attaquer Gambetta et que c'est le 28 que Thiers est arrivé en s'arrangeant avec Dorel de Paladine pour stopper cette offensive. Mais il y avait eu de Paris une dépêche, les dépêches étaient portées, vous le savez bien, par ballon à ce moment-là, une dépêche des généraux de Paris qui avait obtenu de Trochu que Trochu interdise à Gambetta son offensive du 29. Alors voilà, Thiers est à Paris, vous savez ce qui va se passer. Je vous l'ai raconté l'année dernière, cette fameuse journée du 31 octobre. Quand Thiers rentre dans Paris, il est persuadé qu'il va convaincre les Parisiens qu'il faut s'arrêter parce qu'il leur apporte deux nouvelles. Il avait déjà préparé le texte de deux affiches qu'on va coller parallèlement. Sur une de ces affiches, on annoncera aux Parisiens que Metz a capitulé, 175 000 soldats français et prisonniers, 3 maréchaux, 6 000 officiers, enfin, en fait, il n'y a plus rien. Alors, il compte que ça va casser les reins aux Parisiens. Puis, deuxième affiche, intervention de l'Europe. Les neutres, émus par la grandeur, par le courage de la résistance parisienne, interviennent pour arrêter l'effusion de sang. L'effet sur lequel comptait Thiers n'est pas du tout l'effet qui va se produire.
Les Parisiens sont furieux. Ils disent, Metz est tombé, eh bien tant pis. Nous, nous avons tout de même là 500 000 hommes. En fait, il y avait que 300 000 combattants. Il y en avait quand même 300 000. Et il n'y avait même pas de 100 000 Allemands autour. Alors avec nos 300 000 combattants, nous devons tout de même arriver à nous tirer d'affaire. Et le gouvernement se trouve presque emporté par une espèce d'insurrection. Dans la matinée du 31 octobre, tout Paris s'est soulevé, les gens sont sous fenêtre de l'hôtel de ville, criant démission au gouvernement provisoire, criant guerre, puisqu'on ne peut pas se battre. Le GDN, gouvernement de la Défense nationale, va trouver quand même moyen de surnager. Son truc, sa ruse, si vous permettez l'expression, sa ruse, oui, c'est de mettre en avant l'épouvantail communiste, le spectre rouge. On va dire cette manifestation de braves gens, de patriotes, est en réalité truffée d'éléments révolutionnaires. Il y a là Blanqui. Et Blanqui, c'est un nom terrible, aujourd'hui on ne se rend pas compte, mais au 19e siècle, depuis 1830, quoi, parce que Blanqui s'était fait connaître depuis longtemps, c'était un vieux révolutionnaire, depuis 1830 jusqu'à 1870, ce nom de Blanqui a servi d'épouvantail. Et le fait est que Blanqui était parmi ceux qui réclamaient la poursuite de la guerre, ou plus exactement, enfin, la défense réelle de Paris. Alors avec ce nom qu'on répand comme une traînée de poudre, c'est Blanqui qui est derrière, une partie des manifestants s'inquiète en se disant « Ah ben ça non, on veut bien se battre, mais on ne veut pas faire une révolution sociale, c'est pas le moment, il s'agit simplement de repousser l'envahisseur, le gouvernement va trouver moyen de subsister. » Bon, il surnage, il reste là, c'est déjà immense pour lui, mais il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il n'obtient pas l'armistice. Cette population parisienne ne veut à aucun prix faire un armistice avec l'Allemagne. Bon, elle n'a rien à faire, il faut malheureusement continuer le coup, c'est-à-dire recommencer ce que l'on avait manqué depuis Ferrières, quand on avait essayé de rendre en douce la capitale et que déjà les Parisiens s'étaient insurgés. Seul espoir maintenant, et attention, le même espoir qu'avait Bazaine. On va dire aux gens, c'est la famine. Alors, il faudra un certain nombre de semaines, on va marcher sur la corde raide, mais enfin, quand on pourra faire croire à la population parisienne que les stocks de victuailles sont périmés, sont finis, quoi, sont épuisés, ben on dira, voyez-vous, on a fait ce qu'on a pu, mais on est obligé de se rendre. Exactement ce qui s'était passé là-bas, à Metz. Alors, et du côté de Gambetta, et ben Gambetta a attendu à Tours, a attendu haletant, enfin le cœur battant, qu'est-ce qui se passait à Paris? Est-ce que cet horrible armistice doit avoir lieu, qui m'empêche d'agir? Et il apprend que le 7 novembre, il faut bien suivre la chronologie, je m'excuse ces dates, il apprend que le 7 novembre, que l'armistice n'a pas lieu. Alors, il ne perd pas de temps. Du 7 au 9 novembre, il donne ses instructions, Dorel de Palani est bien obligé d'obéir. Le 7 novembre, on va se lancer. Il y a encore une chance, parce que l'armée de Frédéric Charles, les 200 000 soldats allemands qui étaient à l'investissement de Metz et qui se trouvent libérés depuis le 27 octobre, vont mettre du temps pour arriver. Les communications ferroviaires étaient très lentes, il n'y avait pas de camion à ce moment-là. On comptait une quinzaine de jours pour que les troupes allemandes de Metz puissent être sous Paris, je veux dire former écran entre Paris et Tours. C'est donc aux environs du 14 novembre à peu près que les troupes de Frédéric Charles seraient là. Mais comme nous ne sommes que le 7 novembre, Gambetta se dit, j'ai le temps, je vais me lancer. Alors il donne ses instructions. Là, un petit fait qu'il faut vous apporter, je cherche des documents chez ceux qui ont le moins intérêt à nous dire la vérité, mais qu'ils le disent quand même. Alors j'ai trouvé cette information chez Ducrot. Ducrot était le chef de l'armée de Paris. Trochu était donc membre du gouvernement provisoire, président même du gouvernement de la Défense nationale. Il était gouverneur de Paris, mais il avait délégué ses pouvoirs militaires pour l'armée de Paris à Ducrot. Mais ce Ducrot, en 1875, a publié 4 volumes qui s'appellent « La Défense de Paris ». Néanmoins, il parle des armées de province et il nous dit exactement ceci que j'ai sous les yeux. Il dit « L'armée de Tours, l'armée de Dorel de Paladine, comportait des soldats qui piaffaient et chantaient. Les soldats avaient envie de se battre. Et des officiers qui suivaient résignés. » Voilà ce qu'écrit le général Ducrot. Voilà l'état d'esprit des officiers. Et bien, étant donné tout de même l'état d'esprit des soldats, qu'ils veulent se battre, lorsque l'attaque est lancée le 9 novembre, victoire. C'est Coulmiers, la seule grande victoire française de cette guerre 70. Les Bavarois de von Wertheim sont culbutés et le lendemain, 10, Orléans est repris. Victoire incroyable. Gambetta est fou de joie, il dit ça y est, on va foncer. Et là, je vais vous apporter des témoignages allemands et neutres. Deux témoignages allemands. Von der Goltz, dans son livre de 77, écrit « La marche des Français sur Paris ne pouvait désormais plus être arrêtée. » Maintenant, mémoire du prince Frédéric Charles. Frédéric Charles, c'est le type qui commandait les 200 000 Allemands de Metz qui arrivaient à marche forcée dans la direction de la Loire. Mémoire du prince Frédéric Charles. « Si, le 10 novembre, Dorel de Paladine avait poussé sur Paris, il nous eût, de toute façon, fallu lever le siège. » Donc, ce n'est pas absolument clair. Eh bien, Dorel de Paladine et tous ses officiers sont d'accord pour ne pas bouger. On a enlevé Orléans, c'est très bien, et au lieu de foncer, comme Gambetta dit, mais enfin marcher, marcher, rien, immobilité complète. Alors c'est là où intervient un avis intéressant, un avis suisse, le colonel fédéral Lecomte, dans sa relation historique et critique de la guerre franco-allemande, tome 3, page 323.
Y eut-il bien, ce jour-là, du côté français, un commandement en chef? Nous n'oserions répondre par l'affirmative. Et le colonel Lecomte va encore plus loin. En bon vieux code militaire, il aurait fallu décimer un pareil état-major. Ben, le pauvre Gambetta n'osera pas. Gambetta, c'est un civil, 32 ans, intimidé par les officiers. Un général, tout de même un général pour lui. Quand il avait dégommé, si je puis dire, la Motte Rouge, il avait été entouré d'insultes, de hurlements. Et maintenant, annoncer à l'opinion publique qu'il va limoger ce Dorel de Paladine qui s'est couvert de gloire, comme on dit à Coulmy à Orléans, les gens ne comprendront pas. Alors Gambetta se borne à voir jour par jour Dorel de Paladine et lui dire, mais écoutez, vous ne croyez pas qu'il faut foncer? Dorel dit, ah, j'ai besoin de reconstituer mon armée. Qu'est-ce qu'il attend, Dorel? Il attend que l'armée allemande de Frédéric Charles soit là. Et comme elle arrive à partir du 14, qu'à la prise d'Orléans et du 10, il n'avait à patienter que 10 jours pour que l'opération soit réussie. Et à partir du 14 novembre, les troupes allemandes de l'Est arrivent, le verrou est mis. Et à Paris, qu'est-ce qui se passe à Paris? Ben, il avait bien fallu tout de même annoncer aux Parisiens la victoire qui avait été remportée par cette armée de la Loire. On leur avait laissé entendre, oh, pas dans les proclamations, mais c'était des bruits qui sortaient du Louvre où était l'état-major, qui sortaient de l'hôtel de ville. On leur avait laissé entendre, Monsieur Gambetta fait tout ce qu'il peut, ben, vous savez, jeunes armées, comme ça, c'est pas solide. Enfin, et puis tout à coup, cette jeune armée avait obtenu ce double succès de Coulmiers et d'Orléans. C'est le 14 novembre que le gouvernement de la Défense nationale se décide à annoncer par une proclamation vibrante, comme on dit, rédigée par Jules Favre, la victoire de Coulmiers et d'Orléans. Le général Ducrot, commandant de l'armée, est furieux parce qu'il dit, vous comprenez, ça va donner à ces Parisiens l'envie encore davantage de résister, de se battre, ils vont nous réclamer des sorties, on en a fait déjà jusqu'à présent des similies sorties. Ça va aller très mal. Voilà ce que c'est, disait-il à Ducrot, voilà, à Trochu, voilà ce que c'est que ne pas m'avoir écouté. Quoi m'avoir écouté? Eh bien, le 31 octobre, Ducrot avait voulu tirer sur les Parisiens. C'est une histoire qu'on ne sait pas non plus, mais que je suis là pour vous dire, justement. Lorsqu'il y avait eu le début d'insurrection, lorsqu'il y avait eu la place de l'hôtel de ville remplie de ces gens qui disaient, mais enfin, est-ce qu'on fait une sortie? Est-ce qu'on se bat? Alors Ducrot, cependant, commandait devant l'ennemi. Il ne s'occupait pas du tout de l'ennemi. Il avait fait rentrer 3 divisions dans Paris. Et il commençait à descendre les Champs-Élysées à la tête de la cavalerie et de l'artillerie, décidé à faire tirer sur la foule. Parce qu'il était trop content, vous comprenez. Enfin, on allait en découdre avec le véritable ennemi. Le véritable ennemi, ce n'était pas ces Prussiens très honorables. Le véritable ennemi, c'était les faubourgs, c'était les Bellevillois, comme on disait. Enfin, c'était les ouvriers. Alors Ducrot avait voulu faire tirer. Et c'est Trochu qui, au dernier moment, lui avait dit, je vous en supplie, ne faites pas ça. Je ne veux pas de sang répandu entre Français. Dans cette bande affreuse des généraux de Paris, Trochu est complètement à part. Trochu est un homme comme eux, au fond, qui veut avant tout l'ordre, qui veut qu'on se rende. Mais Trochu est aussi un homme qui ne veut pas faire couler le sang. Un homme qui va se découvrir, finalement, je vous l'ai raconté devant Gambetta. Quelqu'un qui va être détesté à la fin du siège, absolument détesté par le reste des officiers. Parce que lui comprend qu'il y a tout de même une chose assez abominable dans la conduite qu'on lui fait tenir. Il a 300 000 hommes possibles avec lesquels il peut attaquer. Et les généraux refusent d'attaquer. Ce malheureux Trochu est un homme qui sent le rouge de la honte l'envahir. Il sera au banc, les officiers, parce que lui, il pense mal. Bon. Toujours est-il qu'il faut, le 14 novembre, annoncer aux Parisiens, ça y est, il y a une victoire sur la Loire. Naturellement, ce qui devait se produire se produit, manifestation dans les rues, est-ce qu'on fait la sortie en masse? Nous sommes 14 novembre, et les gens attendent que pour le 16, 17, 18, quelque chose se produise. Alors le malheureux Trochu, toujours surveillé par son état-major, dit, oui, bien sûr, on va faire une grande offensive. Seulement, il faut du temps, parce que nous devons changer nos plans. Nous avions conçu un plan préalablement, il murmure ça, c'est pas sur les murs, du côté de la basse Seine. Ce que je vous avais raconté l'autre jour, on fait une espèce d'encerclement, on prend les Allemands du côté de l'Ouest. Maintenant qu'il y a eu cette offensive sur la Loire, nous sommes obligés de piquer en direction de la Loire. Ce sont nos plans qui sont renversés, il faut du temps. Je vais attaquer vers la fin du mois. Ça donnera le temps aux Allemands d'être bien solidement retranchés. Alors, ça va être l'histoire de Champigny que je vous ai raconté, mais dont je vais vous préciser les péripéties. La fameuse sortie de Champigny qui est annoncée à Paris à son trompe, proclamation de Ducrot, je ne sais pas si vous vous rappelez, où Ducrot disait « je ne rentrerai que mort ou victorieux ». Ben, il va rentrer pas mort du tout et naturellement pas victorieux, puisqu'il ne s'agissait pas d'être victorieux, c'était ce qu'il ne voulait pas. Alors le déclenchement était prévu pour le 28 novembre. Ce 28 novembre, on devait dans la nuit du 28 au 29 établir des ponts sur la Marne. Et puis comme le génie avait mal travaillé et que les ponts avaient été emportés, on a raconté le lendemain qu'il y avait une crue subite de la Marne, il n'y avait pas de crue, je vous ai apporté toutes les vérifications, enfin les étiages sont là, pas du tout de crue, simplement le génie n'avait pas su faire son métier. Mais enfin on pouvait espérer que si les Allemands n'avaient pas vu la fabrication des ponts pendant la nuit, on pouvait faire un effet de surprise le lendemain. Mais si on décide de ne rien changer et de faire les ponts dans la journée, alors les Allemands qui sont là, il n'y avait même pas de brouillard et qui regardent à la jumelle ce qui se passe, vont s'apercevoir que l'offensive française est imminente pour le lendemain. Ils auront tout le temps d'amener des renforts. Qu'à cela ne tienne, dit les généraux, on attaque. Alors on va attaquer. Et les troupes, comme à Orléans, si les cadres sont nuls et ne veulent pas gagner la guerre, les troupes veulent se battre.
Alors les troupes françaises se battent comme des lions, enfin, ils avancent, ils reculent, ils font refouler les Allemands, ils n'ont pas percé le front, mais ils l'ont sérieusement ébranlé après la première journée de combat. Alors si on continue l'offensive, et si le second jour on fonce de nouveau avec vigueur, il y a moyen de percer les lignes allemandes. Mais je vous l'ai dit, vous le savez depuis le début, les généraux sont absolument résolus à ne pas percer. La preuve, c'est qu'ils n'ont même pas donné de vivres aux soldats, qu'ils n'ont pas de tente, que rien n'a été prévu ni pour les ambulances, ni pour le ravitaillement. Il n'est pas question de faire une sortie, il est question de faire une démonstration. Alors c'est là où, je m'excuse, mais la Croix-Rouge va intervenir, la Croix-Rouge salvatrice. Parce que la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge de Paris, était composée de gens distingués, enfin, il y avait des gens honnêtes. Un homme comme Dunant, vous comprenez, avait été écarté tout de suite. Il y avait juste la bonne classe parisienne. Il y avait l'aristocratie, la banque, enfin, le haut commerce, tout ça était dans la Croix-Rouge. Alors c'est la Croix-Rouge qui intervient et qui sauve la situation. Parce qu'après la première journée de combat, et pour éviter que la deuxième journée de combat ne soit nuisible à l'Allemagne, la Croix-Rouge dit « il nous faut une journée entière ». Pour relever les morts et les blessés. Quoi, une journée? Il fallait une heure, il fallait peut-être deux heures. Non, il faut une journée entière, parce que comme ça, les renforts allemands arriveront. Alors, les Allemands se frottent les mains. Toute cette journée que la Croix-Rouge leur a offerte, ils préparent, ils amènent leurs troupes. Et puis, quand on lance l'offensive, très mollement, le 1er décembre, ben, ils ont tellement de monde que cette fois, nos pauvres soldats français ne peuvent plus avancer. Nous sommes cette fois le 1er décembre et le 2 décembre, qu'est-ce qui va se passer? Trochu avait annoncé à Gambetta, je me lance le 28. Gambetta avait dit, bon, vous vous lancez, alors je me lance à mon tour à votre rencontre. Il aurait dû pouvoir dire, je me lance tout de suite, le 28, il avait parlé à Dorel. Et Dorel lui avait dit, oh, attention, moi je ne peux pas aller si vite que ça, c'est le 6 décembre seulement, je serai en mesure d'attaquer. Alors Gambetta télégraphie toujours par ballon à Trochu et lui dit, bon, très bien, mon général, vous partez le 28, moi je pense pouvoir me lancer le 6. Quand est-ce que Trochu reçoit cette nouvelle que Gambetta va se lancer le 6? Il la reçoit dans l'après-midi du 2 décembre. Les combats ont pris fin le 1er décembre au soir, mais on n'ose tout de même pas encore ramener les troupes dans Paris, puisque Ducrot vient de dire « je ne rentrerai que mort ou victorieux ». Alors il va se passer, ce 2 décembre, une scène qui très longtemps sera cachée, mais qui finira par filtrer, et que j'ai raconté dans mes bouquins, précisément parce qu'on ne la raconte jamais. Ce 2 décembre, une scène épouvantable entre Trochu, le général Ducrot, et un certain général Blanchard, où Trochu dit « écoutez, enfin, c'est la France qui est en cause. Gambetta, avec les armées de la Loire, va foncer le 6. Vous voulez tout de même pas rester immobile ?» Et les autres refusent absolument que Gambetta se débrouille. Nous, on ne bouge plus. Nous, on rentre dans Paris. Et Trochu fait une scène et même il arrive à persuader Ducrot. Il lui dit, mais écoutez Ducrot, même si vous détestez M. Gambetta, il faut aller à sa rencontre parce que l'opinion publique de Paris saura que nous n'avons rien fait et nous allons être emportés par une révolution. Alors Ducrot est ébranlé et c'est Ducrot qui voit se dresser devant lui dans un état d'insubordination absolue. Ce général Blanchard, qui l'insulte même, et qui le traitera de traître, traître à la bonne cause, traître parce que Ducrot a eu l'idée de soutenir Gambetta. Et c'est Blanchard et tous les généraux qui triompheront, et on ramène les troupes dans Paris, on ne bougera plus. Et le Gambetta, eh ben, il s'en ira dans la nature et on le tuera, les Allemands l'écrasant. Mais Thiers est à Tours. Thiers, il travaille, Thiers, il a des connexions avec les Allemands. Alors comme Thiers sait que Gambetta veut attaquer le 6, Thiers prévient les Allemands du fait que Gambetta va les attaquer. Alors les Allemands qui sont maintenant en nombre et qui ont la supériorité numérique vont devancer l'attaque de Gambetta et vont se lancer contre lui le 4. Et étant donné l'état d'esprit de cette armée française de la Loire est pulvérisée. Orléans est repris le soir du 4 et le 5. Ça y est, il n'y a plus de danger. Les Allemands sont victorieux. Pour la seconde fois, la cohésion de Thiers d'une part, du gouvernement de la Défense nationale, des généraux et de Bismarck, tous d'accord, a obtenu ce qu'il voulait. La première fois, on avait lié les bras de Gambetta pour qu'il attaque. La seconde fois, on lui a cassé entre les mains son épée. Il n'en a plus qu'un tronçon. Il faut que je vous explique bien dans quel climat un homme comme Gambetta travaillait. Vous n'imaginez pas le climat de haine et de fureur qui entourait cet homme. Il y avait d'abord à côté de lui, à Tours, Thiers. Thiers qui était entouré de l'estime de tous les gens de bien et qui allait disant que c'était un fou furieux. Ce mot de fou furieux, Thiers l'emploiera publiquement contre Gambetta dans un fameux discours du mois de mai 1871. Un fou furieux. Thème de Thiers, la guerre est visiblement perdue, ce monsieur Gambetta s'accroche par ambition personnelle et plus il fait durer la guerre, plus nous payerons cher la paix. En réalité, Thiers, c'est depuis le début, les objectifs des Allemands sont Metz et Strasbourg. Ils ne peuvent pas avoir plus, les Anglais ne le permettront pas. Et par conséquent, Thiers sait très bien qu'il ment quand il annonce que le prix sera plus lourd à payer si on continue la guerre. Et Gambetta croit pouvoir gagner. Et puis, il y a la vie de quelqu'un qui compte là-dedans, c'est le maréchal Foch.
Foch, dans ses cours à l'école de guerre, a étudié la question de la guerre et a dit, oui, positivement, c'était Gambetta qui avait raison. Il y avait tous les moyens de renverser la situation. Mon pays, la France, disait Foch, pouvait gagner la guerre de 70-71 si on avait suivi Gambetta. Alors, il y a donc Thiers, hein, qui travaille contre lui. Il y a tous les notables, vraiment tous les notables. Alors, j'apporte une citation encore d'un monsieur bien, le général Baron Ambert, Histoire de la guerre franco-allemande 1872. Je lis. La province possédante, les gens de poids, les gens de bien, banquiers, industriels, grands commerçants, ecclésiastiques, constituaient, dit le général Baron Ambert, constituaient une force puissante pour s'opposer au dictateur, car Gambetta, c'était le dictateur, celui qui voulait que la France soit victorieuse. Et puis j'ai trouvé les carnets de Georges Sand, que M. Mauroy n'avait pas publié dans son livre sur l'Elia. Quand on lit les carnets personnels de Georges Sand, on voit la haine que dont cette femme poursuivait Gambetta, parce que si je vous ai dit que les châtelains sont contre Gambetta, il faut oublier que Georges Sand est une châtelaine, elle est la châtelaine de Nord. Et par conséquent, cette guerre dangereuse, cette guerre mal vue du reste des paysans, cette guerre soutenue par les prolétaires de Paris, est une guerre que déteste Mme Sand, qui appelle couramment dans ses notes Gambetta le pignouf. Et puis, il y a dans chaque ville une section de la Croix-Rouge. Enfin, dans les grandes villes françaises, la Croix-Rouge est un centre de résistance à la résistance, centre de l'esprit de collaboration. Enfin, Gambetta est désigné comme l'homme à tuer chez les gens de la Croix-Rouge. Puis, il y a les journaux. J'ai fait une étude sur la presse de province. J'ai mis du temps, vous savez, pour étudier la résistance en province. J'avais mis 4 ou 5 ans. Alors, j'ai lu des quantités d'articles de journaux de province. Alors, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux et qui est très extraordinaire et dont je tiens à vous faire part. Une partie de la France était occupée. Les troupes allemandes occupaient le nord et l'est, comme vous savez. Alors, bien entendu, il n'est pas idiot, les Allemands s'occupaient des journaux. Et ils avaient un certain Maurice Busch, B-U-S-H, Maurice Busch, qui était l'attaché de presse de Gambetta et qui préparait des canevas qu'il envoyait aux journaux français d'occupation, des journaux qui ne pouvaient dire que ce que les Allemands leur faisaient dire. Alors, dans ces journaux, il expliquait quotidiennement, mais on ne comprend pas pourquoi la France s'obstine à lutter, les Allemands ont visiblement gagné, thème de Thiers, enfin, si on prolonge la guerre, c'est des souffrances injustes pour les Français. Ces articles qui sont commandé par Bismarck, rédigé par Maurice Busch et reproduit par la presse d'occupation, ben vous les retrouvez, tous ces articles, dans la presse de province non occupée, dans la France dite libre. Tous les grands journaux de province, qui étaient à ce moment-là des journaux conservateurs, enfin des journaux honnêtes, les journaux des honnêtes gens. Mais tous ces journaux reprennent, sans le dire naturellement, reprennent les articles qui sont publiés par la presse soumise, par la presse allemande, parce que l'opinion des Allemands, le but des Allemands, est le même que le but des notables et des possédants français. Malheureux, Gambetta essaie de réagir. Il se dit, je n'y arriverai pas, mais enfin, il tente. Alors, il y avait une série d'articles dans l'Union de la Sarthe qui avait été particulièrement affreux, des articles défaitistes en disant, mais il faut une insurrection contre un gouvernement pareil, un gouvernement qui a le crime de vouloir gagner la guerre. Alors, cette fois, Gambetta se fâche et il fait passer en justice M. Le Nordez, qui était rédacteur en chef de l'Union de la Sarthe. Mais comme c'est la guerre, ce malheureux Gambetta a l'imbécilité de faire passer, non pas devant un tribunal civil, ça n'aurait rien changé, mais devant un tribunal militaire, devant un conseil de guerre, le Nord-Est pour article défaitiste. Bah, c'est même pas la peine que je vous explique ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le conseil de guerre a souri et a déclaré non-lieu pour question. On ne perçut même pas un homme aussi convenable. Et puis alors, j'ai gardé pour la fin le plus dangereux. C'est les militaires de Tours, les bureaux militaires de Tours, ceux sur qui Gambetta compte pour faire son travail. Et en particulier, le directeur général de l'infanterie française qui s'appelait le général de Loverdeau. Alors là, j'ai un beau document à vous apporter. Monsieur de Keratry, conservateur, c'est entendu, mais patriote. Keratry regardait travailler Loverdeau. Il a été tellement épouvanté de ce que faisait le général Loverdeau qu'il a écrit le 28 novembre à Gambetta les mots que voici. Vos décisions sont saccagées par le général de Loverdeau qui personnifie la trahison. C'est intéressant de savoir que ce général de Loverdeau, qui était déjà pas tellement jeune à ce moment-là, mais qui vivra très longtemps, se fera remarquer au moment de l'affaire Dreyfus parmi la presse la plus nationaliste. Gambetta avait tout de même deux généraux, deux seuls. Deux généraux sur lesquels il pouvait compter. C'était Faidherbe, qui dirigeait la petite armée du Nord, qui s'était très bien battue à Bapaume, et puis c'était surtout Chanzy. Alors regardons un peu Chanzy. Au moment où les Allemands avaient foncé sur Orléans et avaient repris Orléans contre l'armée d'Aurel de Paladine le 4 et 5 décembre, cette armée s'était éparpillée. Vous saviez l'état d'esprit des généraux, Ducrot ne l'a pas caché, des officiers, Ducrot ne l'a pas caché, les officiers suivaient résignés les soldats. Alors dans son livre, le livre d'Aurel de Paladine sur la première armée de la Loire, il y a une page, oui, abominable, disons-nous, abominable. Parce que d'Aurel de Paladine, c'est le général battu. Alors un général battu essaye toujours de rejeter la responsabilité sur les autres. Et d'Aurel de Paladine n'hésite pas à dire « tous les officiers lâchèrent pied ». Ce n'est pas vrai, pas tous les officiers. Il y avait un petit groupe d'officiers républicains enfin, qui voulaient la victoire.
Mais Dorel de Paladine n'avait pas à dire que tous les officiers sont partis, mais parce qu'il devait dire, bah, j'étais pas seul à ne pas y croire, tous mes officiers sont éparpillés. Alors Chanzy, à qui Gambetta avait donné le commandement, a fait un tour de force, il a repris en main cette armée, il l'a reconstituée. C'est une armée qui était en train de se dissoudre, elle ne pouvait plus résister à la poussée allemande, alors Chanzy faisait une retraite avec cette armée en demi-décomposition, mais qu'il essayait de recomposer. Et une retraite qui force l'admiration de von der Goltz, le livre de l'allemand von der Goltz en 1877, où il raconte la guerre. Il dit, nous avons eu devant nous, à l'improviste, un général qui tenait le coup. L'armée reculait, l'armée française reculait. Mais tous les soirs, Chanzy donnait un ordre d'attaquer. Il lançait 2, 3, 4 bataillons. Des types plus ou moins sacrifiés, enfin des commandos sacrifiés, mais qui étaient là pour nous repousser, nous les Allemands, afin que derrière, le gros de l'armée puisse lentement, lentement se reconstituer, redevenir une force. Et l'idée de Chanzy, c'était d'avancer, de reculer plutôt, jusqu'au Mans, jusqu'à la ville de Le Mans. Et devant Le Mans, il voulait constituer une puissante ligne de résistance et de là, réattaquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer devant Le Mans? Nous sommes en Bretagne. Bretagne, pays conservateur, et tous les députés de la région, tous les notables, détestent la guerre de Gambetta. Alors il y a un désastre, paraît-il, c'est vrai, mais il faut regarder le dessous des désastres. Il y a un désastre qui va se produire dans cette armée de Chanzy le 11 janvier 1871. Chanzy avait décidé d'attaquer le 13. Son armée était suffisamment solide. J'attaque le 13. Renseigné peut-être, et quant à moi je le crois. Les Allemands savent qu'il va attaquer le 13, alors ils prennent le devant, ce qui s'était passé déjà devant Dorel de Paladine, vous le rappelez au moment d'Orléans, et ce sont eux qui vont attaquer les premiers. Ils vont attaquer le 11. Alors, puissante ruée de l'armée allemande, c'est Frédéric Charles, celui qui venait de Metz, qui avait amené sa troupe là. Puissante ruée allemande. Les lignes françaises, quête bon. Chanzy est ravi. Toute la journée, on s'est battu, on a reculé, on a avancé. Enfin, on n'est pas enfoncé, les Allemands ont raté leur offensive. Nous sommes maintenant le 11 janvier à 20h. Chanzy est dans son bureau, il est en train de rédiger ses instructions générales pour le lendemain, et il dit aux troupes, je suis particulièrement satisfait de cette première journée, vous avez bien tenu le coup, c'est excellent, voici ce qu'il faut faire demain. 20h, 20h05, à ce moment-là, un émissaire entre chez Chanzy, il est affolé, et dit, mon général, le front est enfoncé. Quoi, dit Chanzy, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'était passé que, la nuit étant tombée, les mobilisés, dit Lévillaine, mobilisés est un mot qui s'employait en 70 pour dire que ce n'était pas la troupe de métier, c'était des gens qu'on avait levés sur place pour combler les vides dans l'armée. Les mobilisés, c'était des types qui étaient civils il y a encore très peu de temps, qui avaient fait autrefois le service militaire, puis qu'on avait levé. Les mobilisés, dit Lévillaine, qui tenaient un petit secteur qui s'appelle la Tuilerie, avaient tout à coup lâché pied, alors qu'il n'y avait pas d'attaque allemande, mais qu'il y avait eu à l'improviste un bombardement, pas plus, une canonnade. Et sous cette canonnade, ces soldats qui s'étaient bien tenus toute la journée, maintenant c'était la nuit, se débandent, fichent le camp. Le front est ouvert à ce moment-là. Alors par cette fente, se précipite toute l'armée allemande. Lui, Chanzy, ordonne à d'autres troupes qui sont à l'arrière de venir essayer de boucher, de trouer. Les troupes n'avancent pas. Refus, les généraux. En 1871, il y aura une enquête là-dessus, bien entendu. Et un amiral, qui s'appelait l'amiral Jauré-Guibéry, qui commandait sous Chanzy, qui était un de ces rares amiraux qui avait accepté de prendre du service dans l'armée de terre. Le ministre de la guerre, Fourichon, avait refusé de mettre les inscrits maritimes au service de Gambetta, en disant, oh, on ne sait pas, il y aura peut-être une attaque par mer. En réalité, Fourichon ne voulait pas donner un seul marin. Alors il y avait quelques marins, quelques amiraux, patriotes, qui avaient dit, ben, nous on va se battre. Jauré-Guibéry en était. Devant la commission d'enquête de l'été 1871, Jauré-Guibéry, interrogé sur la journée du 11 janvier, a dit ce qui suit. Et pour un texte pareil, il faut que je lise. La vérité est que les troupes avaient été travaillées, avaient été sérieusement travaillées. Mais par qui, monsieur l'amiral? Un grand nombre d'officiers répétaient aux soldats, cette guerre-ci n'est pas une guerre française, c'est la guerre de monsieur Gambetta. Et les bataillons allaient disant, les bataillons catholiques, dit Lévillaine, en disant « Oh, nous n'allons pas nous faire tuer pour un Gambetta. » Ce qui avait été impossible le jour, parce que Chanzy était sur place, allait de bataillon en bataillon, regardait ses soldats. Ce qui était impossible le jour devenait possible la nuit. Chanzy était parti, était en face de son quartier général, les notables du Mans qui étaient là, des civils qui étaient venus voir, les officiers qui ne voulaient pas se battre, avaient dit aux troupes « À la première occasion, on lâche pied, on ne se bat pas pour Gambetta. » Voilà la vérité sur le désastre du Mans. Les troupes avaient été travaillées du dedans. Elle est fichue, l'armée de Chanzy. Il n'y a plus rien dans ses mains. C'est une armée qui est décomposée, c'est une espèce de poussière, il ne peut plus arriver à la constituer. Heureusement, Gambetta a encore une autre. C'est ce qu'il appelle l'armée de l'Est. Il en a eu l'idée dans le courant de décembre, il l'a constituée le 20 décembre. Et il a un plan, une grande idée, que l'Allemand von der Goltz saluera comme une idée presque géniale. Voilà ce qu'il voulait faire. Il s'agissait de piquer sur l'Est, le Nord-Est. Depuis Tours, on allait faire monter des troupes dans la direction de Besançon, et puis au-delà,
pour tenter de couper les lignes de ravitaillement allemandes. Pas les lignes de ravitaillement nourriture, ça les Allemands se nourrissaient sur place, mais leurs munitions, mais leurs canons. Ça, ils ne s'en procuraient pas en France, et ils avaient deux lignes de chemin de fer qui amenaient leur ravitaillement de l'armée de Paris et même de toutes les autres armées. Si on coupait ces lignes de chemin de fer, eh bien, ils étaient rudement gênés. Alors c'est ce que Gambetta voudrait faire avec son armée de l'Est. Commandement. Eh bien, c'est Bourbaki qui va être chargé de l'armée de l'Est. Et il faut que nous regardions le personnage de Bourbaki, parce qu'il a une légende, et derrière la légende, il y a la vérité qu'il importe toujours de voir. Bourbaki avait fait partie de l'armée de Bazaine. Vous savez, le plan de Bazaine. Bazaine avait décidé, à un certain moment, qui était le milieu d'octobre, de neutraliser son armée du côté de l'Allemagne. Il avait rédigé ses instructions que le général Napoléon Boyer avait portées à Bismarck, neutraliser cette puissante armée française du côté de l'envahisseur, et la mettre au service de la société, comme on disait. C'est-à-dire marcher sur Paris avec ses 70 000 hommes pour régler leur compte à la canaille parisienne et renverser la République. Les Allemands avaient trouvé ce projet intéressant, séduisant, mais tout de même, Bazaine ne voulait pas agir sans l'avis de l'impératrice. L'impératrice était tombée, était déchue depuis le 5 septembre, et c'était en Angleterre, c'était à Londres qu'elle vivait. Alors Bazaine avait demandé aux Allemands l'autorisation de déléguer un de ses principaux généraux, c'était Bourbaki, pour aller voir l'impératrice et s'entendre sur ce qu'on pouvait faire contre la République. Bourbaki arrive à Londres, stupeur. Il trouve une impératrice absolument différente de ce qu'il avait imaginé. Il croyait que l'impératrice allait trouver une idée excellente, peut-être qu'on allait abattre la République, peut-être qu'on allait rétablir l'Empire. Et Eugénie, qui était française, mais qui n'était pas française tout de même, elle était française par son mariage, mais c'était une Espagnole, l'impératrice Eugénie était épouvantée par ce que lui présente Bourbaki. Elle lui dit, mais enfin, écoutez, général, mais vous n'y songez pas. Enfin, il y a tout de même une résistance française. Il y a tout de même un nommé Gambetta, je le déteste, entendu, mais il représente l'esprit de la France. Mais il faut que vous alliez travailler avec Gambetta. C'est insensé ce que vous proposez de neutraliser cette armée. Bourbaki en est sorti terrifié, stupéfait. Surtout du fait que l'impératrice lui dise, vous, Bourbaki, vous allez rejoindre un Gambetta. Il y va. Alors le voilà qui revient de Londres, qui se dirige à Luxembourg, de Luxembourg traverse la France, arrive à Tours. Il arrive dans un état d'esprit lamentable. Il se dit, tous mes collègues, les autres généraux vont considérer que je suis un véritable traître de me mettre au service des Gambetta et de la République. Il y a d'autre part l'impératrice qui m'a fait honte, qui m'a dit que ma conduite était inqualifiable, qu'elle désapprouvait épouvantablement Bazaine. Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Alors il va feindre, il va faire semblant d'être de l'avis de Gambetta, tout en lui répétant tout le temps, mais vous savez, cher monsieur, enfin, elle est perdue cette guerre, mais ce que vous me demandez, c'est bien inutile. Néanmoins, puisque tel est le vœu de l'impératrice, il va être commandant en chef de la nouvelle armée. Un commandant en chef qui dira à tous ses collaborateurs, pas la peine, on nous fait faire une entreprise imbécile, enfin, puisqu'il paraît. Morne, mou, flasque, une espèce de loc, il va se diriger lentement, à plus petites étapes possibles, dans la direction de Besançon. Il a du reste la collaboration des chemins de fer. Les chemins de fer sont chargés par Gambetta de porter le plus vite possible, le plus grand nombre d'hommes possible dans la direction de Besançon. Mais les chemins de fer n'interrompent même pas, vous entendez, le trafic normal. Train de marchandises, train de voyageurs, ça circule normalement, puis quand on peut, on met quelques trains de troupes. Enfin, à force de traîner, le 4 janvier 1871, une armée française est réunie, l'armée de l'Est est réunie à Besançon. Il s'agit d'avancer, d'aller le plus vite possible. Bien, ce sont encore les Allemands qui vont prendre l'initiative. Ils vont attaquer cette armée le 9 à Villers-Excel, et si les officiers sont ce que vous savez, les soldats sont aussi ce que vous avez, c'est-à-dire se battent très bien. Les Allemands sont repoussés à Villers-Excel. Du reste, Bourbaki a donné de sa personne, a combattu, a tiré l'épée au milieu de la mitraille, s'est très bien comporté. On devrait, évidemment, s'emparer de ce premier succès pour essayer de pousser le plus rapidement possible en avant. Pas du tout. Von der Goltz, dans son livre, toujours auquel je me réfère, c'est très intéressant d'avoir le témoignage de l'adversaire. Von der Goltz s'est dit, nous avions très peu de troupes à cet endroit-là parce qu'on ne s'attendait pas à une offensive comme celle-là. Nous devions faire venir Manteuffel, maréchal Manteuffel, qui devait venir de l'ouest. Et entre le moment où Manteuffel arrivait de l'ouest et le moment où Bourbaki allait être attaqué, il y avait 4 ou 5 jours dangereux. Par bonheur, comme Bourbaki n'attaque pas, Manteuffel a le temps d'arriver. Ce n'est que le 14 janvier que l'armée de Bourbaki a ordre d'avancer. Elle avance en direction d'Héricourt et elle se heurte aux Allemands à Héricourt. Combat, 3 jours de canonnade, plus de canonnade que de bataille du reste, bataille indécise et stupeur. Le 17 janvier au matin, Bourbaki donne un ordre de repli. Pourquoi repli? Alors que nous n'avons pas été du tout battus, alors que si on continue, on pourra peut-être avancer. Non, on replie, il en a assez. Il dit l'opération est terminée, je rentre. Bourbaki est du reste renseigné par les correspondances qu'il a en permanence avec Thiers et avec les amis bien-pensants et qui lui disent, mais Paris est en train de se rendre, mais ça va se faire tout de suite. C'est en effet ce 23 janvier, que Favre va aller auprès de Bismarck pour organiser la reddition. C'est plus la peine de se battre. Alors il reflue. Et il reflue dans la direction de Pontarlier, Bourbaki. Et quand il a
À Gambetta, Gambetta lui dit, je pense avoir mal lu votre télégramme. Comment, Pontarlier? Mais Pontarlier, vous allez être encerclé. Alors, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune issue. La Suisse, simplement. Et si vous rentrez votre armée en Suisse, ça veut dire qu'elle sera désarmée, par conséquent que notre dernière armée, l'armée de l'Est, est anéantie. Bourbaki va essayer de se tirer d'affaire par un procédé personnel. Il va se, entre guillemets, il va se suicider. Le 26, Gambetta lui envoie un ordre de limogeage, mais ce même 26, avant qu'il ait reçu son limogeage, il se tire un coup de revolver. Tous les livres vous diront, Bourbaki, désespéré n'avoir pas pu gagner, a préféré se suicider. Malheureusement, j'ai lu le rapport du témoin qui était le chef, l'officier d'ordonnance, M. de Massa. Et c'est tellement remarquable ce texte que je tiens à vous le lire. Le général se tira un petit coup de revolver à bout portant. La résistance extraordinaire opposée par le crâne réduisit le projectile cylindro-conique de 12 mm à la forme d'une médaille de plomb. Il devait avoir le crâne en bronze. Alors en réalité, il s'avait fait le simulacre du suicide, il se fait transporter dans une voiture fermée, personne ne le voit, général mourant à Lyon, où il est très tranquille, et il s'est fait une petite égratignure à la tempe, ce qui permet à un autre que lui de porter la responsabilité du fait que les troupes vont refluer en Suisse, et le général Clinchamp. Arrivons tout à la fin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vous l'ai dit, Favre a rendu Paris et est allé voir Bismarck le 23. Favre avait multiplié les télégrammes à Gambetta, lui répétant, ils sont sous nos yeux les télégrammes, lui répétant, si jamais nous sommes obligés de rendre Paris, c'est Paris seul qui va se rendre, mais bien entendu, la guerre continue en province. Les maires de Paris sont allés trouver Favre et lui disent, ben, puisque vous nous dites que c'est la famine et qu'il faut nous rendre, rendons-nous, mais il est bien entendu, il est bien spécifié, n'est-ce pas, que nous ne rendons que la ville et que la France continue à se battre. Mais oui, disait Gambetta. Et quand Favre est devant le chancelier Bismarck, il lui dit, je viens vous apporter un armistice général. C'est la paix. Seulement, qu'est-ce qu'il va faire à l'égard de l'armée de l'Est? Il n'y a plus que cette armée qui ennuie, oh non pas tellement les Allemands, mais qui ennuie le gouvernement de la défense nationale. Si Gambetta ne veut pas accepter cette paix qu'on signe malgré lui, si Gambetta dit, ben, j'ai tout de même une armée, avec cette armée je vais continuer ma résistance, c'est très dangereux, c'est toute l'affaire qui tombe par terre. Alors c'est là qu'il faut regarder bien de près ce qu'a fait Favre. Favre va premièrement proposer aux Allemands d'exclure de l'armistice l'armée de l'Est. Comment? Exclure de l'armistice une seule armée? Par conséquent, tout le reste des armées allemandes peuvent converger sur cette unique armée de Metz. Quand il a parlé de ça aux Allemands, Bismarck a levé les sourcils. M. Favre ne réalise pas, probablement c'est un civil, il ne se rend pas compte. Favre sait très bien ce qu'il veut faire. Il veut que cette armée soit écrasée par les Allemands. Mais ça, ce n'est rien. Lorsque la paix est conclue, l'armistice est conclue, le 28 au soir, à 7 heures du soir, et qu'un télégramme est préparé par M. Favre pour être envoyé à toutes les armées françaises disant « on s'arrête, on ne se bat plus à partir de demain », dans ce télégramme que Favre a préparé, il oublie de signaler pour Gambetta et pour Gambetta seul, l'exclusion de l'armée de l'Est. Ce qui fait que les Garibaldiens qui étaient partis de Dijon le 29 et qui allaient essayer de libérer Bourbaki pour l'empêcher d'être pris dans la poche de Pontarlier sont stoppés net parce qu'ils croient que l'armistice est intervenu. Mais les forces allemandes qui, elles, sont rassignées par Bismarck et qui savent bien qu'il n'y a pas d'armistice pour l'Est continuent leurs opérations, les Garibaldiens ne bougent plus, les armées allemandes investissent Pontarlier, toute la frontière est bloquée, il n'y a plus que l'issue du côté de la Suisse. Et c'est comme ça qu'on sera venu à bout de l'armée de l'Est. Eh bien, j'ai fini. C'est une histoire sauvage que je vous ai racontée. C'est une histoire abominable, pas connue. Bien entendu, on a caché la vérité aux générations de Français qui avaient suivi la guerre de 70. On l'a caché d'autant plus qu'à partir d'une certaine date qui est Boulanger puis l'affaire Dreyfus, la droite française a pris le masque du nationalisme après avoir tenté du masque de la religion en 1848 et sous l'ordre moral de Mac Mahon. Mais en 1940, le masque est tombé. On a vu de nouveau de quel côté était ces gens de l'Action française qui s'étaient fait les collaborateurs de l'ennemi. La tradition se continuait fidèle. Et seuls les gens de la tradition de Gambetta représentaient le patriotisme.